Gitu. D'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il fasse miséricorde à notre frère Ralph Théodore, nous conduise et le conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Le Seigneur dépouille ce matin pour lui dire un dernier au revoir.
La mort nous surprend toujours et nous ne sommes jamais habitués avec elle. Mais nous savons que quelqu'un avant nous a vaincu la mort. Il est ressuscité, le Christ. Ralph croyait dans le Christ. Notre frère Ralph pourrait encore vivre beaucoup de temps, 35 ans seulement qu'il a eu le temps de vivre sur cette terre. Mais ça ne c'était pas le désir, la volonté du Seigneur de le garder encore plus de temps. Car la mort l'a arraché à notre affliction. À chaque fois que la mort frappe à la porte d'un proche, de quelqu'un parmi nous, cela nous donne la possibilité de penser à notre vie, de penser à notre relation avec Dieu et avec les autres. Si comme Ralph Théodore, je pars aujourd'hui, où serai-je? Où vais-je vivre? Dans l'éternité bienheureuse ou quelque part d'autre? L'Évangile nous dit que nous devons nous préparer au jour le jour, car étant malade ou étant en bonne santé, pleine de vie comme Ralph, nous ne savons ni le jour ni l'heure. L'important, c'est de vivre bien avec ceux qui nous entourent, ceux que nous côtoyons, ceux qui sont nos prochains, de tisser des relations d'amitié avec les hommes et avec Dieu. Nous préparer pour le grand jour. Ralph est déjà dans les lieux de la vérité. Il doit certainement ce matin rencontrer son Seigneur, lui rendre compte de tout ce qu'il a pu vivre au milieu des siens, au milieu de nous, dans notre cité solaire. Il savait venir à la messe dans cette chapelle avec sa maman. Il savait prendre le repas du Seigneur. Et aujourd'hui, il doit encore partir. Il est parti. Si le Seigneur nous l'a donné et il a repris, nous devons dire comme Job, que son nom soit béni, quelle que soit la situation. Parfois, nous croyons que le jeune homme ou le vieil homme qui part paie un châtiment de ses péchés. Et pourtant, le Seigneur a jugé bon de le reprendre avant que son âme se corrompe. Avant qu'il soit corrompu, comme notre société qui nous a donné cette surprise avec ce jeune frère, plein d'enthousiasme, d'énergie, capable de beaucoup de choses et qui est parti comme le fumée. Nous venons lui dire un dernier adieu, mais en même temps implorer sur lui, sur son corps mort ici, la bénédiction du Seigneur qu'il a aimé, qu'il a choisi, qu'il a créé et qu'il a certainement appelé, ou qu'il s'est résigné à accepter ce rappel produit par le Fils d'Haïti. C'est chaque jour que nous écoutons des nouvelles parler. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un d'entre nous est parti sous les balles assassines, sous des guet-apens. Jusqu'à quand cesseront de couler, cessera de couler le sang des hommes d'Haïti par leur propre fils. Quand est-ce qu'on prendra cette machine infernale qui sème la mort parmi nous, d'entre nous, par nous? Nous n'avons pas créé la vie. Nous n'avons aucun droit de détruire la vie. La vie est sacrée, elle vient de Dieu. Dieu seul en est le propriétaire. Profitons de cette occasion pour prier pour tous ceux qui sèment la mort.
pour tous ceux qui donnent la mort. Mais en même temps pour les victimes, puisque notre frère Jésus-Christ a offert son pardon sur le bois de la croix, et pour les victimes, et pour les bourreaux qui se repentissent, qui se convertissent. Nous sommes au temps de carême, temps de conversion, temps de pénitence. Offrons l'âme de notre frère à ce Dieu tout aimant, tout puissant, qui est tout amour, qui va l'accueillir et donner consolation à sa famille, à ses amis, à ses connaissances, et surtout, qui peut changer le cœur des Haïtiens, le cœur de ceux qui conduisent cette machine infernale de mort, pour que cesse de couler des larmes dans nos yeux. Nous avons écouté comment Jésus, lui aussi, a pleuré devant le tombeau de Lazare, son ami qui l'aimait. Comme notre frère pleure devant le cadavre, le corps de notre frère Ralph, parce qu'il l'a aimé. Mais je lui disais, voyez comme il l'aimait. Mais certains se moquaient de cette famille de Jésus en disant, ne pouvait-il pas empêcher à Lazare de mourir, lui qui a ouvert les yeux de la veuve. Je vais marcher loin.